et bienvenue pour ce match de Coupe de France. Le Séchart Basket accueille Chalon-Reims. Un match au final un peu compliqué. J'ai la chance d'être avec Mouad Rehnam. Mouad, dans un calendrier déjà chargé, vous venez de remporter une très belle victoire à Rueil vendredi. On enchaîne ce match aujourd'hui. Vendredi, il y a le match face à Lorient qui est aussi très important. Est-ce qu'on a envie de dire quelque part ce match tombe au plus mauvais moment ? Ouais, c'est jamais facile d'enchaîner mardi, vendredi, surtout qu'on a un match beaucoup plus important que celui de ce soir vendredi. Ouais, il tombe pas au meilleur des moments, ça c'est clair. Maintenant, on va essayer d'impliquer tout le monde, voilà, de manière à ce que personne ne joue un temps de jeu important pour être prêt pour vendredi. Oui, parce que faut rappeler au tour d'avant, attention, il y a un ballon qui vient de passer. Vous avez remporté un match face à Angers, très important aussi pour lancer cette saison. Et vous m'aviez dit un peu en off, bah ce match-là, on va donner quelques minutes de temps de jeu à un peu plus de joueurs. C'est un peu le but ce soir. C'est ça exactement. On va essayer d'équilibrer les temps de jeu et de récompenser un peu tout le monde parce que le groupe bosse bien depuis le début de saison. Et puis peut-être que ça va donner de la confiance à ceux qui ont moins de temps de jeu en ce moment. Il y en avait un qui devait avoir du temps de jeu ce soir. Malheureusement, il est blessé. Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de ce qui se passe pour Jérémy ? Bon, pour Jérémy, voilà, on a même pas fêté cette victoire à Rueil parce qu'il s'est blessé là-bas dans les deux dernières minutes. Et on a appris que c'était les ligaments croisés et une fin de saison pour Jérémy. Donc malheureusement pour lui, déjà ça va être dur à digérer, mais on est autour de lui et on est ensemble et on va faire ce qu'il faut pour qu'il revienne et j'ai pas de doute là-dessus. Merci beaucoup coach, on va vous laisser vous raccompagner sur le banc de touche. Merci beaucoup. Oui, vous l'avez entendu, malheureusement, c'est la mauvaise nouvelle. Jérémy Ricardo Rigo qui est blessé, les croisés, c'est un coup dur, lui qui avait déjà connu. Des soucis en début de saison, il avait raté une grosse partie de la préparation physique, il était revenu avec de belles choses, notamment à Rennes ici même. Donc maintenant le club va devoir faire le dos rond. On sait qu'on a des joueurs capables de relever aussi le défi, comme un débat pigiste médical actuellement qui était déjà là pour remplacer Jérémy. On va voir. Je vais demander à notre caméraman de filmer un peu l'échauffement de notre équipe parce que malgré que ce soit un match un peu de gala, on va être très clair, c'est aussi un match qu'on a envie de gagner quand on est compétiteur. Et c'est pas mon cher Nicolas. Nicolas, bonsoir. Bonsoir Alban. C'est pas vous qui allez me contredire ça. Alors c'est vrai que le match de Coupe de France, c'est un match, on va dire, un peu particulier parce que ça peut pas être un objectif pour le Séchart Basket. Mais on a envie quand même de gagner. Ouais, t'as toujours envie de te montrer par rapport à une équipe qui est au niveau supérieur, t'as envie de faire un bon match. Voilà, ça fera sûrement parler dans la presse si les Chartrains réalisent une belle performance. Donc effectivement, tu joues pas pour perdre, hein, tu joues pour essayer de le gagner. Les tours de Coupe de France, alors oui, ça fait des matchs, mais ça fait des belles affiches et pour le public Chartrain, c'est vraiment super de recevoir ce soir. Ouais, on va regarder la compo, le 5 de départ du côté de Chartres en tout cas. Celle qu'on imagine avec notamment Pelin à la main, Fortas, Hippolyte, Oforumbe et bien sûr le dernier arrivé, c'est peut-être la curiosité tout simplement de ce match, c'est Kwame. Ouais, voilà Kwame qui est rentré dans l'équipe vendredi soir à Rueil, il était à peine arrivé, il est arrivé jeudi après-midi, vendredi il était sur le terrain, il a été très performant pour sa première rencontre, donc oui c'est un peu la nouveauté ce soir de le voir à domicile. Ouais, Kwame qui a fait un très gros match face à Rueil, ouais. On le sait, pour le coach de Chartres, c'est un peu la pièce manquante de cet effectif, et quand on voit sa production pour son premier match, ça faisait même pas 3 jours qu'il était arrivé. Un jour, on peut dire que c'est quand même quelque chose d'exceptionnel. Ah oui, il a fait une très très grosse performance. Voilà, on voit que c'est un vrai big man. Il est fort des deux côtés du terrain, que ce soit au rebond, en défense et en contre. Et puis de l'autre côté, il a été très performant dès le début du match. Et il a fait une très belle prestation pour quelqu'un qui descendait de l'avion la veille. Exactement, forcément ce soir, on va pouvoir le voir.
on pense aussi un petit peu au match de vendredi. Mais ce soir, c'est bien sûr cette équipe de Chalon-Reims, club de Pro B, qui a fini troisième la saison dernière, finaliste. Et quand on voit les noms, ça fait un peu peur quand même. Ah ouais, bah carrément, ça fait plus que peur même. Là, je peux vous dire que l'effectif qu'ils ont, bah c'est estampillé pour remonter en Pro B, hein, voilà, en Pro A, pardon. Il y a un gros effectif avec des joueurs très talentueux, des joueurs très expérimentés, hein, Lamine Sambé, Matisse, je ne sais plus son nom, mais voilà, Matisse Keita, voilà, il y a vraiment beaucoup de talent dans cette équipe. Ouais, forcément, hein, Keita, Dali, Pommier, ouais. Ce sont un peu la base de cette équipe de Reims, même si ils ont connu la défaite pour leur premier match en Pro B face à La Rochelle. Ouais. Mais attention, parce qu'on sait, c'est des monstres qui sont présents ce soir-là, Jean Cochet. Et forcément, même pour vous, mon cher Nicolas, c'est un peu particulier de voir notre Hugo Doumbia avec un autre maillot ce soir. Ah oui, ça va faire bizarre de citer Hugo Doumbia de l'autre côté, mais bon, voilà, c'était le but. Hein. C'était une étape de passer à Chartres. On a tout fait pour que pendant 3 ans il progresse et qu'il arrive à trouver un vrai contrat. Et là, il a été pris par Le Mans, qui pour qu'il fasse encore un peu les dents, l'a prêté à Chalon-Reims. Et voilà, ce qu'il fait depuis le début de la préparation et des matchs de Leaders Cup, c'est très très intéressant. Même encore ce week-end, hein, même malgré la défaite, il a été très très bon. Donc voilà, il faut qu'il continue. Et c'est vrai que ça fait un peu bizarre de le voir chez les autres. Quoi. Oui, et puis il a connu l'équipe de France avec de la réussite aussi cet été. Est-ce que vous le trouvez déjà changé? Parce que moi, je suis juste à côté de lui. Et physiquement, déjà, il a pris encore de la masse. Ah ben, il a affûté, hein, mais bon, c'est un bébé qu'on connaît depuis des années. Donc maintenant, hein, comme on lui a toujours dit, hein, sa seule limite, c'est lui. Voilà. Après, quand son physique tient, bah, c'est vrai que ça reste un joueur hors norme. Et puis j'espère qu'il va vraiment s'épanouir dans cette équipe et qu'il va progresser encore, en espérant qu'il n'en mette pas trop ce soir contre Chartres. Ah, exactement. Dans quelques instants, la présentation des deux équipes. On va espérer forcément une belle entame en matière de notre équipe, même si il faudra se méfier, alors on l'a dit, hein, de Keita qui a marqué 20 points lors de la dernière rencontre. Et aussi, bah, c'est Jackson, l'Américain, qui a connu aussi une blessure qui l'a éloigné pendant un petit moment et qui revient et qui va vouloir aussi se mettre mieux pour le prochain match en Pro B. Ah oui, bah, de toute façon, eux, voilà, ils ont fait un faux départ avec le match ce week-end. Ils étaient surpris par l'équipe de La Rochelle, je crois. Donc forcément, ils vont vouloir remettre les pendules à l'heure dès ce soir pour regagner de la confiance. Mais bon, leur objectif, c'est pas la Coupe de France non plus. Hein. On le sait, la Coupe de France, c'est vraiment pour les top niveaux Pro A. Mais en tout cas, ça va leur permettre de travailler pour préparer leur match de championnat de ce week-end. Allez, une petite image sympa, parce qu'on a aussi les Dunk Tigers. On voit aussi les arbitres, les joueurs qui arrivent du côté de Reims. On va essayer de choper. Peut-être un tout petit message. Non, Hugo qui est rappelé rapidement par son coach. Et ben, on va vous laisser vivre la présentation des deux équipes. Et comme à notre habitude, c'est d'abord l'équipe de Reims. Numéro 14, Jean-Pierre Pommier. Et le numéro 24, David Mascara.
Voilà, la halle qui se remplit au fur et à mesure, mon cher Nicolas. C'est vrai que ça fait quand même bizarre de voir Hugo Doumbia hein, avec ce maillot. Ah, ça lui va bien. Il est beau. Ah, mais c'est mérité, hein, voilà. C'est vraiment génial pour lui. Voilà, un joueur qui est... C'est un jeune joueur, mais qui n'a pas eu un parcours linéaire. Voilà, il a été ballotté un peu à droite, à gauche. Pas de centre de formation. Du travail à Chartres en régional, une année en National 3 et puis les entraînements en National 1 aujourd'hui pour briller en Pro B en étant prêté par Le Mans. Donc voilà, quand vous savez comment Le Mans travaille, bah, vous voyez que c'est un club très formateur. Donc voilà, il laisse le temps, il a signé 3 ans, il a le temps de travailler. Donc ça c'est super pour lui. Assez mérité, hein, honnêtement. Ouais, surtout qu'il est au poste de meneur derrière Matisse Keita, qu'on ne présente quasiment plus. Un grand monsieur, un cuit basket monstrueux. De toute façon, le 5 de départ de Chalon-Reims, là, c'est quand même quelque chose. C'est Baptiste Chouaffé qui va débuter, hein, l'ailier, 25 ans. C'est très très fort aussi. Ouais. C'est vraiment... On a envie de dire, est-ce que quelque part c'est pas fort, non. Non, mais là, quand vous pouvez mettre sur le banc Lamine Sambé, alors oui, c'est un ancien, il a un peu d'âge maintenant, mais il a un CV grand comme le bras. Et il est pas loin de sa maison, hein. Il est de Neuville-aux-Bois à la base, je crois. Donc c'est un joueur que j'ai suivi toute sa carrière et c'est un super mec. Vraiment très très fort, et là il y a une équipe de fous, hein, en face. Alors on va se régaler, forcément ça va être un beau match avec quand même beaucoup de joueurs. Alors ça va être la grande question aussi du côté de Reims, on l'a entendu avec Moite, on va plutôt juger un petit peu en termes de minutes, on va faire participer vraiment tout le monde. La grande question, est-ce que du côté de Reims on va faire de même? Parce que aussi eux, ils ont des jeunes joueurs, hein. On pense forcément Hugo Doumbia, on l'a dit, mais il y a Florian Léopold, 22 ans, qui pourra aussi gratter un peu de minutes de jeu. Oh, mais lui il joue déjà. Hein.
Ouais, mais bon, c'est les faire un peu plus jouer, on va dire. Ah, oui, vraiment oui, laisser reposer les un peu plus vieux. Ouais, si tu vois. Voilà, est-ce que Pommier, on va le faire jouer Pommier va jouer 25 minutes tranquillement. Et... faut mieux qu'il joue moins, Pommier, hein, parce que finalement, c'est fort, honnêtement. Franchement, il se met Pommier en probé, c'est juste énorme. Hein. Ouais, ça va être. Et ça bouge pas. Hein. Vous allez voir que nos amis intérieurs Chartrain, ils ont intérêt de se bouger parce que lui, au sol, c'est The Rock. Ouais, le coach. Monsieur Andrieux qui donne les dernières directives à Jackson, à Scara, à Pommier. À Choiffé, ça va être la guerre. Ah ouais, bah là, c'est très 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 fort. Hein. C'est, ouais, voilà, ça, c'est des... Là c'est un 5, ce 5 pourrait jouer en Pro 1. Hein. Et ben voilà, ça va nous va se faire plaisir, forcément. On a envie de ce soir peut-être la victoire ou la défaite. Alors forcément, on va espérer quand même la victoire pour Sharp. Mais... oui, après, on l'a déjà fait par le passé. Hein. Il suffit juste de rester dans le match et on ne sait jamais à la fin. Donc, Ouais, forcément, il y en a un qui doit avoir gros sur la patate. Jérémy Ricardo Rigo qui se blesse vraiment à la fin du match face à Rueil. Ouais, bah là, c'est... les ligaments. C'est pas son année. Quoi. Ouais, lui qui est en fin de contrat, hein, si je dis pas de bêtises avec le CCBM. Voilà, j'ai envoyé un petit message hier soir quand j'ai appris cette grave blessure. Et il m'a dit qu'il allait revenir plus fort. Et ça, j'en doute pas parce que c'est vraiment un combattant. Mais effectivement. C'est un joueur qu'on adore parce qu'il sait tout faire sur un terrain, il peut défendre, il peut contrer, il peut faire des passes magiques. Ouais, et puis le seul match qu'on a vu de lui qui était ce match contre Rennes, c'était sa reprise qui normalement devait jouer très peu de minutes. Ouais, et qui au final il avait fait 25 minutes avec quelques. Voilà. Alors la première mi-temps bien, après il était un peu dans le rouge, ce n'est qu'un être humain. Ouais, oui, pas tout à fait, mais il avait vraiment sorti déjà 2-3 actions. Bah, du Dorigo quoi. Ouais, allez, c'est parti avec le premier ballon en 1 contre 1 et qui sera rendu à Chartres avec Ofurum aussi qui on attend un peu plus maintenant forcément de notre Américain qui nous a montré tellement de belles choses qui est rentré un petit peu dans le rang. Hein. Bah ouais, mais en même temps c'est dur, hein. C'est pas simple de toujours être à bloc. Il va falloir qu'il s'habitue à tout ce jeu, hein. Quoi qu'il arrive. Allez, Fortas. Regardez Pommier comment il a mis loin Kwame là. Ah ouais. Ah, faute. Alors, faute de Pommier. Ouais. Non, en tout cas, vous avez vu, Pommier, il va pas laisser Kwame prendre la place intérieure comme il le veut. Hein. Alors là, on a un duel là. Deux monstres à l'intérieur. Ah, bon, aussi avec Jackson contre Pelin. Ah ouais, bah Jackson contre Pelin, ça va être rigolo aussi. Allez, Pelin, peut-être pour le premier panier. Non. Allez, Hippolyte. Qui lui aussi, hein, c'est l'occasion notamment pour Hippolyte de montrer qu'il a le niveau. Lui qui a touché un petit peu la probée. Hein. Oui, bon, il a le niveau. Le problème, c'est la constance en fait. C'est toujours ça, hein, les difficultés. Attention, Jackson tout de suite là. Alors là. Oh là 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 là. Ouais, faute. Et vous avez vu, c'est grand, c'est costaud, mais ça va vite avec ce petit spin. Allez hop, là. Et ouais. Qui est très bien parti ligne de fond et qui a provoqué la première faute de Kwame. Alors il va falloir faire attention à tout ça. Le premier. C'est bon. Le deuxième. Le petit bisou sur le ballon. Ah, chacun sa routine. Hein. Alors, une des routines les plus célèbres, c'est Jason Kidd. Ah oui. Ouais, Martin Jackson. Oui, ça c'est beau. Ça ah oui, il est capable. C'est un pétard ambulant. Hein. Il est capable de vous mettre 35 points. Et on le verra même pas. Tellement c'est facile pour lui le basketball. Ah, lui qui revient de petit pied sur un
vous disais en début de retransmission. Ouais, pour l'instant, Fortas qui provoque les fautes. La deuxième. Et Mathis Keita qui dit à l'arbitre, mais j'ai rien fait. Et une petite faute quand même sur le drive. Alors, est-ce qu'il y a un arbitrage, on va dire, différent pour le niveau? Parce qu'en N1 et Pro B, il y a quand même une bonne marge de différence sur le jeu, sur l'intensité. Est-ce qu'il y a vraiment, même en termes d'arbitrage, est-ce qu'on peut se retrouver un peu pour une Pro B sur des coups de sifflet un peu bizarres? Il y aura peut-être des... Bah déjà, ils sont trois. D'habitude, ils sont que deux hein, en National 1. Donc, je pense que ça, là, bientôt, on aura trois arbitres en National 1 aussi parce que le jeu est de plus en plus développé. Après, ça va dépendre de l'interprétation des arbitres dans le jeu physique, dans l'impact. Vu que la Pro B, c'est encore plus physique que la N1, peut-être il y aura un peu moins de coups de sifflet ou des fautes vraiment sur les actions de tir comme là à l'instant. Où là, Keita a rendu la monnaie de sa pièce à Fortas. Voilà, donc ça fait match nul, 1-1 pour les deux. Donc il n'y aura pas de. Il n'y aura pas de surprise. C'est peut-être que ça sera peut-être un peu plus rugueux et il y aura moins de coups de sifflet sur les contacts. Mais encore que. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'à trois arbitres, on voit quand même beaucoup mieux les situations. Et ça, il y a beaucoup de coachs qui le disent. Et je pense que d'ici un an ou deux, on aura trois arbitres en N1 aussi. Ouais. Alors que pour l'instant, ça fait déjà un petit écart, 6-2. Ah, il va falloir que les Chartrains imposent leur rythme. Alors après, c'est pas facile hein, avec Kwame qui arrive, tout mettre en ordre, c'est pas simple. Et puis quand vous avez ce 5 là, voilà, ça va être compliqué. Allez, ça s'est bien défendu pour récupérer le ballon. Bien joué! Ah non, malheureusement, ça ne sourit pas. Ouais, et puis ce 5 de départ, alors on l'a dit, hein, que c'est quasiment une équipe identique à la saison dernière. Il n'y a que Chouafé qui arrive de Boulazac. Sinon, c'est des gars qui jouent ensemble déjà. Ah ouais, bah de toute façon, quand tu veux monter, tu peux pas tout changer. Hein. Faut qu'il y ait quand même un socle. C'est un peu la différence avec la National 1, où on voit que beaucoup d'effectifs changent quand même. Oui, bah après, c'est aussi des cycles. Hein. Hippolyte, c'est là, sur la faute. Il faut vraiment faire attention quand vous repartez sur un nouveau cycle. Mais là, Champagne Basket, depuis qu'ils sont descendus, ils veulent remonter. Ils ont gardé l'ossature, ils ont mis le Choiffé à la place de Cruzol. Bon, alors Cruzol, c'était pas le même poste, mais voilà, c'était un joueur qui était important aussi. Donc voilà, c'est un gros effectif. Puis Choiffé, de toute façon, à Boulazac, il avait fait une énorme saison aussi. Donc et voilà. Ouais, Jackson. Keita, il commence à un peu se chauffer aussi parce qu'il dit mais moi on me siffle rien. Alors que là, et ben voilà les premiers changements avec du coup Léopold et surtout Hugo Doumbia donc qui fait son apparition sur le parquet de la Jean Cochet pour la première fois avec un autre maillot que celui du CCBM. Ça va être aussi intéressant de voir la mutation, hein. Lui qui a marqué 11 points lors de la première journée de Pro B. Voilà, bien fait de la part de Jackson. Oh là 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 là. Allez, ça lit très bien. Hein. Ah, ça lit bien les situations, il n'y a pas de problème. Hein. Fortas Doumbia, c'est la nouvelle génération. C'est le duel. 20 ans d'un côté, 22 de l'autre, je crois. Ouais, et Hippolyte qui agresse. Voilà. Et là, les arbitres, de suite, ils ont décidé de ne pas se laisser enquiquiner par des petites fautes ou des petites chamailleries de départ. Et du coup, ça suit. Comme ça va mettre tout le monde d'accord. On est déjà dans la pénalité du côté de Chalon. Et les Chartrains sont à trois fautes aussi. Calvin Hippolyte, il doit profiter de ses lancers francs pour se mettre en confiance. Lui qui en rate un petit peu trop, à mon goût.
Et là, il fait 2 sur 2, c'est très bien. Ça va lui permettre de bien rentrer dans son match. Lui qui est très agressif pour l'instant. Attention avec Hugo Dumbia, se retrouve parfaitement. Scara. Oh non! Ah bah comme quoi tout est possible, mais bien suivi de la part de Forum. Ah, ça c'est pas cool pour Marco Pelin qui a besoin un petit peu de retrouver de la réussite et de la confiance. Attention Scara, attention à la communication sur la défense là. Ah, Scara tout seul. Voilà. Et lui c'est fort. Hein. Lui il est très 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 bon. Et a manqué de. On pensait qu'il allait réussir, le petit coup du poignet. Et lui, c'est vraiment très très bon, très performant ce joueur. Ouais, ce joueur né à Zadar, qui pour un poste 4 est quand même assez mobile. Hein. On le répétera jamais assez, nous, on reçoit forcément beaucoup d'équipes de National 1. Alors on a les modèles un peu costauds dans la raquette, peut-être des fois un peu moins mobiles. Alors lui, c'est shooter, driver, il peut tout faire lui. Dumbia qui va aller agresser et qui va marquer ses premiers points. Allez, on peur de rien. Allez, 2m10 devant lui, allez, pas de problème, j'y vais. Je sors le bras et je mets mes deux premiers points. Et là, ça va défendre le plomb sur Fortas. Alors que Jacques est le capitaine Sambé qui va venir. Compliqué là de la part de Pelin. Alors, Jacques qui va rentrer. Poste 4 et Sambé. Alors, non, Jacques va passer poste 5 forcément. Il a l'air très très grand, Jacques. Hein. Parce que Valentin, il est grand. Hein. J'ai l'impression qu'ils sont tous grands dans cette équipe. Ouais, c'est vrai que. La paire d'intérieur là c'est quand même 2m13 pour c'est bien ce qui me semblait, Wilson Jack hein. C'est vraiment grand hein. Ah là il y a Mur là. Et Dumbia à 3 points. Ouais ça rentre, ça sort. Allez ça repart de l'autre côté pour Charles. Avec au Forum peut-être. Oh ça va marcher de la part de Forum. Et Ateba qui va rentrer ainsi que Takamu. Ateba forcément qui a un rôle à jouer maintenant. Parce que lui qui était. Encore plus même. Encore plus qu'avant. Pigiste médical jusqu'à décembre. Ouais. On ne sait pas, on n'est pas dans les secrets des dieux s'il va continuer outre. Mais en tout cas, il a. Bah en tout cas, là, il va peut-être avoir un peu plus de temps de jeu quand même, parce que du coup, une rotation de moins à l'intérieur. Attention. Ouais, et Mukuna qui a arrêté de jouer. Perdu les lentilles. Ouais. Franchement. Kwame. Qui va repartir sur le parquet. Alors ce qui était aussi très intéressant, parce qu'on sait que Kwame, il est arrivé, il a fait un match, un premier match, mais là maintenant on sait bien, c'est qu'on le voit travailler tactiquement avec il y avait Guillaume Lepape, maintenant c'était Abgué Barakaou, avant qu'il rentre sur le parquet, il est allé le prendre un peu en iso. Ah oui, il faut qu'on lui mette tout dans la tête. Oh, ça c'est beau. Oh, ça, bien joué à Teba. Ça va faire du bien à Teba parce que il était un peu dans le dur. Voilà, on en demande tellement à Fabien Teba en défense qu'en attaque, il était moins fluide. Par contre, de l'autre côté, ça circule dans notre peinture. Allez, c'est fluide, Léopold. Ouais. Allez, Prost là. Qui. Va montrer, et voilà.
Et Jackson. Et Jackson. Allez, attention. Chant qui a tourné un petit peu. Ah, ça va vite, hein. Déjà 16 points marqués par Chalon Reims. Les ballons perdus convertis direct. Mathis Keita qui va à retrait. Ouais. Ah, ça change pas en défense du coup. Kouame. Oh, c'est fort ça aussi. Ah bah s'il met des tirs extérieurs, ça peut être sympa. Ouais, lui qui a gagné les Jeux d'Asie, hein, si je dis pas de bêtises. Ouais, la mine Sambé. Oula, allez, Sambé qui s'est... qui a voulu donner le ballon à Jacques. Keita qui va donc rentrer. Allez, Jackson. Pour l'instant, il n'y a que Dali qui n'est pas rentré. Ouais. Oh! Ah oui, Hugo Doumbia. Alors c'est compliqué parce que ça nous fait plaisir de le voir comme ça, mais ça nous fait mal à notre petit cœur quand même, Chartrain. Ah, bien joué, ça monte vite. Avec un peu de réussite. Keita. Lève. Ouais. Ah, si vous défendez pas. C'est ça, c'est si vous les laissez ouverts, les shoots, ça va rentrer. Ça risque de faire une du lourd. Ouais, c'est compliqué parce que là, vous avez tout simplement, c'est du 100% à deux points. C'est voilà, c'est millimétré, c'est le haut niveau. Hein. Ah ouais, bah là c'est top niveau même. À l'inverse peut-être d'Angers qui était sur le premier tour un peu plus en délicatesse physiquement, qui était sur la Leader Cup. Un joueur très important absent. Oui, aussi. Et puis on a vu que ils ont fait quelques ajustements puisqu'ils ont pris Gezela qui sortait d'Evreux et qui avait fait un bout de partie de préparation à Chartres. Et voilà, il a été confirmé, il a été signé à Angers la semaine dernière. Et bah voilà, ils ont réajusté. Et ça manquait peut-être un petit peu de lien au début de la saison. Donc c'est peut-être un peu tôt pour eux ce match de Coupe de France aussi. Et les Chartrains en avaient profité. Mais ce soir, c'est déjà beaucoup plus long dans la saison, donc Chalon Reims qui a des ambitions est prêt à découdre avec les Chartrains, et il faudrait que les Chartrains mettent un petit peu plus de vitesse dans leur jeu. Ah, regardez comment c'est beau de la part du Godumbia. Allez, ça repart. Ouais. Frost qui fait un très très beau layup là, pas facile. Il a levé la balle tellement haute, il a eu peur de prendre un contre. Allez, ça repart avec Doumbia. Il cherche à l'intérieur. Quoi, mais c'est dommage. Qui était bienvenu. Forcément là on est en train de voir le coach Moitrenam qui il sait hein, qu'il y a un tel écart entre ces deux équipes. Ateba peut se lever, il va remettre derrière Kouame. Ateba, oula. Elle est bien enfermée, Léopold qui a bien suivi. Et faute avec le panier. C'est compliqué. Ah, ça va tellement vite quand vous perdez le ballon que voilà, vous êtes. Bah là c'est double peine, hein, c'est panier plus faute. Ouais, souvent c'était que panier, maintenant c'est panier plus faute et va falloir faire attention à ces pertes de balles parce que. Les joueurs intérieurs de... Ah bah on est à 6 contre 1, 7 contre 1 pardon. Ouais bah voilà,
7 contre 1, voilà, 15 points, bah, c'est la différence. C'est l'écart qu'il y a. Exactement, 13 points après perte de balle. Oh, ça c'est bien aussi pour Takamu. Ouais, Takamu Doumbia. À l'avantage, c'est Takamu, que... c'est un peu le, la relève hein, de Doumbia. Ouais, ouais, c'est un peu le même principe. Quoi. Peut-être plus shooter que Doumbia. Mais voilà, après, il a. Ah, oui. Il avait surpris hein, beaucoup le coach Renam. Ouais, ça me va. Ouais, ouais, voilà. Ça, c'est l'expérience. Hein. Vous avez vu, hein, il n'y a pas beaucoup de temps pour sortir le bras, mais ça sort vite. Allez, Prost. Home. Allez, Takamu. Ouais, Takamu qui avait beaucoup surpris le coach Matt Renam. Voilà, qui, pour être très clair, au début, bah, il est venu pour faire le nombre. Et au fur et à mesure, après entraînement, puis les matchs amicaux, bah, il a montré de belles choses. Il a montré qu'il était capable de donner un coup de main à Chartres. Et donc, du coup. Bah, il a saisi sa chance parce qu'il y a eu pas mal d'absents pendant la préparation. Donc du coup, il s'est faufilé et il a pris les minutes qu'on lui a données. Et c'est vrai que bah, voilà, après, tu prends de la confiance, tu continues de travailler. Alors forcément, il y aura un coup de moins bien dans la saison parce que voilà, il reste jeune et il faudra absorber tout ça. Doumbia avait connu la saison dernière un mi-saison très compliqué. Oui, à un moment donné, voilà, on demande beaucoup aux gamins et ça ne peut pas toujours suivre, que ce soit physiquement ou mentalement, il faut être prêt. Hein, c'est vraiment un combat de tous les jours. Donc c'est pour ça qu'on, oh là là. C'est pour ça qu'on appelle l'expérience des joueurs. Hein, donc, qu'est-ce que c'est bien joué. Ouais, c'est propre. Hein. Il y avait beaucoup de mouvements. Manque de communication, on a laissé passer Léopold derrière la défense et on a pris un dunk sur la tête. Allez, bah, allez, on va essayer de provoquer Keita. Oh oui, c'est bien joué, ce 3 points. Allez, Doumbia, Keita. Il va finir le travail sûrement. Alors après Chalon. Oh le compte de Thévenard. Ben oui. C'est pas suivi derrière. Thévenard qui fait du Thévenard et les copains derrière qui suivent pas. Et c'est dommage, ils auraient pu éviter ce petit panier. Et regardez ce qui est impressionnant. Ouais, et ce qui est aussi très intéressant, c'est qu'on a vu que Keita est allé parler tout de suite derrière à Léopold pour lui dire faut venir me poser un. Peut-être un pick and roll, on ne sait pas, mais au moins venir poser un écran pour le libérer, pour le shoot. Alors malheureusement, on va pas pouvoir écouter les coachs ce soir. Et c'est vrai que là, c'est compliqué même pour Chartres, hein, 32-18, 32 points encaissés lors d'un premier quart-temps. Ouais, ouais, pour une équipe, Chartres qui est dont la place... 8 ballons perdus, 16 points en contre-attaque, il n'y a pas de miracle. Hein. Malheureusement, on voit quand même que l'intensité est beaucoup plus intense de l'autre côté en défense, surtout côté Chalon-Reims. Ça ne laisse pas les Chartrains faire leur basket. Donc, ouais. Et puis Reims, ça continue à régaler à l'adresse, hein. 100%, bah ouais. 100% à 2 points. Bah ouais, ouais, bah en même temps, ils ont trouvé des situations faciles à l'intérieur. Voilà, c'est très simple hein, ce qu'ils font, hein, mais avec la vitesse et le talent de chaque joueur, bah, je peux vous dire que ça fait très très mal. Hein. Oui, parce que Chartres, on a connu hein, des matchs où dès le début, on était un mieux rentré contre de la proie. D'ailleurs, vous voyez les stats. Hein. Ouais, bah voilà. C'est assez clair. Bon, après Chartres, hein, 100% à 3 points, voilà. Seul tenté. Non, mais c'est vraiment les ballons perdus et les ballons de relance. Voilà, point sur ballon perdu, 14 à 0. Et, bah voilà, c'est l'écart. Hein, donc, si les Chartrains gomment pas les ballons perdus et le jeu de relance de Chalon-Reims, ça risque de faire ça pendant tout le match. Il faut vraiment faire très très attention à la mise en place des systèmes et mettre de l'intensité. Sinon, ça va être très 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 compliqué.
Allez, ça va repartir. On va espérer maintenant, hein, on le sait, pour, dans le basket, chaque carton, c'est comme des mini-matchs. Oui, oui, après, il n'y a pas de vérité, mais en tout cas, si on peut retenir juste quelque chose, c'est Chalon-Reims, ils ont converti tous les ballons perdus de Chartres. Et puis là, on a mis, on a mis les papas. Hein. Là, on a remis les. Ouais, mais, oh là là. Il n'y a pas beaucoup de place. Hein. Mais il est tellement puissant. Ouais, parce que là, vous avez deux costauds aux lignes de fond. Ouais, mais il est passé. Hein. Il y en a un, il s'est transformé en petite souris. Ouais. Et il est passé, il a sorti le bras, il a mis son petit panier. Ouais. Allez, Jackson qui fait faute loin du ballon sur Ateba. Et du coup, on va voilà, comme l'a dit le coach, on est en train de donner du temps de jeu un peu à tout le monde. Il n'y a que 5 carrés hein, qui n'est pas rentré. Poste un peu enfermé. Et marché. Pourquoi pas. Allez, Jackson va peut-être se lever, va trouver de l'autre côté. Et on va remettre de nouveau Papa. C'est Papa Pommier qui vient. Et qui vous donne un petit cours de. Ah bah, il vous fait un petit clinique, ligne de fond là, ça fait trois fois qu'il part. Ah là, ballon perdu. Ah, un peu court. Step, ah, malheureusement un peu court. Et je crois qu'il est, il savait pas s'il devait. Bah, il a hésité. Ouais. Il a dit tiens, je vais pas la donner. Ateba, qui fait du Ateba. Ah dommage parce que ça, il affectionne ce genre de jeu. Il faut qu'il nous mette une ou deux banderies, Fabien Ateba, pour se libérer totalement et vraiment se mettre dans le collectif Chartrain, parce que ça, il sait très bien le faire. Sambé. Forcément, est-ce que la blessure de Ricardo Rigo pourrait aussi le, pas le motiver, mais qu'il se sente encore plus concerné, puisque là, maintenant, on va dire qu'il est moins pigiste médical que ça, quoi. Il dépasse un peu ce statut-là. Ah bah là il est, oui, alors oui, il a toujours cette étiquette de pigiste médical, mais du coup il y a une rotation de moins dans l'aile, donc forcément il va avoir plus de minutes. Hein, mais c'est un joueur qui, s'il en met un, deux, il peut être très très bon. Malheureusement pour l'instant il n'arrive pas à trouver la mire parce qu'il fait beaucoup d'efforts défensifs. Et c'est ça qui lui manque parce que s'il retrouve de l'adresse, ça va être très bien pour les Chartrains et puis pour lui surtout quoi, parce qu'il en a besoin. Camus qui a voulu tenter le face-à-face avec Jackson. Ouais, et ça repart. Attention, Jackson tout seul. Et voilà. Et, ouais. Et ça c'est. Ouais, j'adore ce joueur. C'est trop simple le basket pour lui. Ah, et bien là, l'écart qui commence vraiment à grandir au fur et à mesure. Ouais, là, on vient de prendre 10-0 hein, dans ce début de deuxième quart-temps. Chartrain, perte de balle, des tirs un petit peu forcés. On est repoussé loin de notre raquette, hein, même si là. Ouais, bien joué de la part de Takamu qui va jusqu'au bout. Pour l'instant, c'est Takamu qui tient l'équipe de Chartres avec 7 points d'affilée. Là. Tient un petit peu les Chartrains, la tête hors de l'eau, mais. Parfait. Bah, il faut défendre, hein, voilà, ça. Allez, Jackson. Allez, c'est rare parce que c'est. Ah ben le deuxième, excusez-moi, le deuxième panier. Le deuxième tir à 2 points ratés. Cette équipe. Et ça, si Ateba était en pleine confiance, là, je peux vous dire que ce tir, il l'aurait déjà pris. En tout cas, la saison dernière, il l'aurait pris. Oh oui, ça c'est bien. Kwame. Ça c'est bien aussi. Il y a eu un changement et on provoque. Et le panier et la fosse de Chouafé. Ça c'est très très bon pour les Chartrains. Et forcément pour nous, on est aussi très intéressé par le jeu de Kwame, qui a joué dans le championnat philippin contre un certain Duvon Maxwell. Ah oui. Qu'on connaît très très bien. Et
Et Maxwell disait, c'est très très fort Kwame. Ah, c'est costaud en tout cas. C'est voilà, maintenant il va falloir qu'il s'habitue aussi aux jeux européens. Hein. C'est pas chaque continent a un peu son basket. Hein. Donc on va voir. Et là ça fait moins, donc du coup moins de 5 jours hein, qu'il est avec l'équipe Chartraine. Alors que tu as fait. Ça fait 5 jours qu'il est là. Et... Alors là, il y en a, il se pose pas de questions ce soir. Takamu, il enchaîne. On va rester très très longtemps à Chart peut-être. Alors, en tout cas, c'est bien, il prend sa chance à fond. Et... Ouais, parce que là, 11 points, meilleur marqueur. Ouais, ouais, bah c'est lui qui vient de mettre tous les points en plus. Hein. Ah, bonne première défense sur Pommier. Ah, par contre, on ne suit pas derrière. Ouais, ça manque un peu d'énergie d'entrain. Ouais, voilà, bien fait. Kwame. Oh, Thévenin. C'est une bonne passe, mais ouais, mal assuré. Bien fait. Oh là 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 là. Ça déroule, hein. Ça déroule. Hein. Je ne sais pas si Jean-Philippe Daly n'est pas un petit peu touché ou si justement... Ouais, peut-être. Hein. Peut-être qu'il il a un petit truc et qu'il préfère pas prendre de risques. Ah, c'est des actions un peu individuelles côté Chartres. Mais attention parce que de l'autre côté, ça galope. Jackson s'est mis dans son corner. Et on va peut-être déjà à 50 points. Ouais, parce que là il y en a Scala pardon, c'est discret voilà. Mais il est, de toutes les batailles de rebond hein. Bien joué, allez bon, on revient à 20 points d'écart. Ah ouais, mais de toute façon voilà, l'écart il est tous les ballons perdus Chartres. Ouais, ça va être assez simple si on regarde les points. Points après balle perdue, 18. Vous avez quasiment l'écart. Ouais, bah, c'est ça. Et forcément, il y a de la réflexion. On est un peu côté Chartres pris entre deux réflexions. Ouais, parce qu'il y a le match de vendredi et c'est ça qui, je pense, qui fait cogiter. Du coup, est-ce qu'on va faire les efforts ? Le coach Renam l'a dit au début, hein. C'est le match le plus important de la semaine. Oui, oui, tout à fait. Mais et voilà, je pense que c'est la même chose quelque part pour le coach Andrieux. Ce match-là, c'est pour peut-être travailler des petites choses. Pour donner du temps de jeu, comme l'a dit le coach de Chartres. Mais il y a aussi la valeur de faire ce genre de match. Il ne faut pas ne pas le jouer non plus. Il faut jouer parce que c'est souvent comme ça qu'on se blesse. Voilà, il faut quand même qu'on mette de l'impact, qu'on montre qu'on est présent, qu'on a quelque chose et qu'on travaille aussi quelques ajustements avec Kwame qui arrive. Donc il faut vraiment qu'on arrive à trouver le bon timing, le bon tempo dans ce match. Alors on fait retourner sur le parquet Doumbia et Jack et Fortas. Ouais, Portas à la place de Takamu. Oui, Takamu qui a fait un super run. Alors, on reste en individuel. Oh, bien joué. Et alors là, je peux vous dire que le travail de Chouafé, il a ouvert les portes à Doumbia. C'était parfait collectivement. Là, Portas. Allez, le genre de 3-3 qui va provoquer encore. Je me demande, oui, troisième faute provoquée par Portas. Ah, Portas, il a un dribble croisé. Ça, il sait très très bien le faire. Changement de rythme, changement de direction avec ce dribble croisé. Là. Il agresse la cible et là, il arrive à provoquer la faute de Jackson. Mais ça reste. Il y a une discussion actuellement entre Pelin et Renam. On sait, hein, ils discutent beaucoup entre eux.
Je vais l'appeler le coach bis. Hein. Ouais, ouais. Ah, de toute façon, on sait très bien que Marco Pelin finira soit... Oh, bien joué, dommage de la part de Thévenard. Soit directeur sportif, soit coach. Hein. Il continuera dans le basket tellement il est un QI basket énorme. Et là, ils jouent contre Sambé, qu'ils se sont joués pendant des années. Allez, Sambé, avec Jack qui a eu pourtant l'avantage sur Fortas. Allez, Fortas qui récupère le ballon justement. La passe, elle est parfaite. Ah, dommage, dommage, parce que alors, la passe de Pelin a été millimétrée. Doumbia. Voilà, qui perd un peu le contrôle de la balle. Sambé. On sent un peu plus d'agressivité dans la défense Chartraine. Ah, bien. Bien fait. Allez, faute de Jacques. Ah, très bien. Mais là, on a senti quand même une défense plus agressive de la part des Chartrains. Bah, ils ont mieux. Ah, ils ont mieux. Cette image, elle vous montre quand même quelque chose. Hein. Ouais. Vous avez Hugo Doumbia là, il est à l'école. Ah bah là, oui. Et on a un professeur triple luxe. Ah ouais, bah là, c'est monsieur. Bah voilà, il écoute, il l'a appelé de toute façon sur le système, il l'avait déjà appelé. On l'a entendu de la tribune, Hugo, et en fait, non, il n'est pas venu, et ça a fait le décalage, et ça a fait un tir casse-croûte un peu pour Sambé. Et Chartrain qui vont monter un peu en défense. Ah oui, on récupère la balle. Et du coup, le flotteur, oh là là, et Pelin plus petit, il prend son propre rebond. Et je peux vous dire que peut-être, Moitrenham, il commence à se mettre aussi un peu dans le rythme de la rencontre, parce que là il était mi-content, mi-énervé. Déjà les Chartrains sont montés plus haut en défense, ils restent tout terrain. Et sur la dernière possession où ils ont volé le ballon, il y a une meilleure communication en défense, une meilleure rotation défensive. Donc déjà quand tout le monde est investi et concentré, bah voilà, vous pouvez défendre plus dur. Dès qu'il y en a un ou deux qui sont un peu en retard, bah forcément c'est compliqué. Mais voilà, les Chartrains, ils sont un petit peu plus agressifs. Ils ont envie de montrer aussi qu'ils sont capables de faire plus. Allez, au moins en défense pour ralentir cette équipe. C'est vraiment fait que pour ralentir, parce que voilà, sortir de la presse pour ces joueurs-là, c'est facile. Mais après, voilà, il faut tenir. Il faut défendre. Il faut parler. Attention au changement. Allez, bien fait. Et Jack. Ouais, faute d'Hippolyte largement, puisque Léopold en voulait plus. Ouais, mais Hippolyte, il l'a pas bloqué au départ. Il a laissé passer Léopold. Et Léopold, bah voilà. Et on va faire rentrer Keita. Ouais, Mathis Keita. Hein. Ouais, c'est... Quand vous faites les changements, ça fait mal à la tête. En fait. Allez, au forum aussi. Ouais, même pour Vorm, hein, c'est une expérience quand même de dingue. Lui qui a signé son premier contrat professionnel, qui sort de NCAA, c'est la première fois qu'il a choisi l'Europe. Et va commettre la faute sur Sambé. Ouais. Ouais, là, même pas essayer d'éviter l'écran, il a défoncé la mine Sambé là, sur l'écran. Mais au forum, qui a tout à gagner à faire une bonne prestation ce soir. Hein. C'est un joueur qui est en devenir, un joueur inconnu en Europe. Inconnu, je m'entends. Hein. Certainement des coachs qui ont déjà vu ce joueur. Mais voilà, il a un nom à se faire et ça commence par la N1. Et quand on sait qu'il y a énormément de clubs de Pro B, voire de Pro A, qui vont piocher en National 1. Voilà, donc, attention, parce que Chartres s'est pris déjà deux fautes sur une seule action. Ouais. Et sans ballon. Généralement à la troisième. Oh, le bon contre là de Fortas. Ouais, mais bon, voilà. Allez, c'est rare. C'est rare de voir qui est à rater. Allez, Takamoui, bien joué. Allez, Pelin. L'arbitre, le coach de Chalon Reims qui tout de suite, dès qu'ils mettent deux paniers sur transition, arrête le jeu.
temps mort. Et alors on n'a pas la perche, mais croyez-moi qu'ils vont se prendre une petite soufflante, même s'il y a 49-33. Parce que là, dans ce carton, Richard, c'est 17-13 pour Reims. Les Chartrains qui perdent un peu moins de ballons, du coup, peuvent un peu aussi courir, verrouiller un peu mieux le rebond. Là, il y a une meilleure défense sur Doumbia, qui, à part Fortas, qui force Keita à tirer rapidement. Oui, ça c'est bien aussi une explication avec le trio arbitral sur ce qui s'est passé au dernier moment. Là, il y a remise en place des systèmes de la part du coach Andrieux. Ouais, de toute façon, il ne veut pas te laisser aller, pas de déconcentration. Tout ça, c'est fait pour travailler et préparer le match du week-end prochain. Donc, il sera intransigeant avec ses joueurs ce soir. Parce qu'on en a déjà vu des garçons menés de 15-20 points. Et puis se laisser un peu endormir et se balader. Et voilà, ils n'ont pas envie de tirer sur l'effectif pendant 40 minutes. Donc il faut faire le travail. Oui, parce que Reims là est en déplacement à Chartres. Ils vont être après en déplacement à Denain vendredi aussi. Ouais. Donc c'est voilà pour une équipe en Pro B, Pro A, National 1, quand vous faites deux déplacements en une semaine, en trois jours, ça pèse quand même un peu lourd dans les chaussures, dans les baskets. Ah ouais, bah deux déplacements, voilà. Et après, en plus avec du coup il faut qu'ils se rattrapent aussi de leur défaite à domicile hein, face à La Rochelle. Ouais, surtout ça et la pression du résultat à Denain, qui est une très très belle équipe Denain, donc ça sera pas simple hein, d'aller gagner à Denain, donc bah forcément il faut travailler ce soir, prendre de la confiance. Il y a un retour en zone. Bah, il n'y a pas de retour en zone hein, puisque c'est le joueur de Chartres qui a mis le ballon en zone arrière. Alors ils l'ont. Alors, ouais, c'est ouais. Un des arbitres qui avait dit qu'il n'y a pas de retour en zone. Ouais. L'autre a dit si. Ouais. Là c'est. Bah là c'est une erreur, mais bon après voilà, c'est pas grave, hein. Ça arrive. Hein. Mais effectivement l'arbitre qui avait ça arrive mon cher Nicolas. Ouais. Ouais non mais il avait vraiment donné la bonne info. Allez, au forum qui va aller provoquer la faute. L'arbitre du centre là, en signalant aux joueurs de Chalon que c'était ok. Et l'autre arbitre qui était plus loin, bah lui n'a pas vu l'image avec son collègue et du coup il a sifflé retour en zone. Alors que c'est bien un joueur de Chartres qui avait repoussé le ballon. Et là, au forum, lui, il a décidé de sortir les muscles. Alors là, Takamu, il a pris, on vient de le voir, une petite réflexion de la part de son coach Moat. Allez, lancé franc, on est encore sur du 1 sur 2. Hein. En général, on est à 69%. Allez, 0 sur 2, mais il prend son propre rebond. Autopasse pour Fortas. Fortas qui n'arrive pas non plus à trouver la mire à 3 points. Et ça lui ferait du bien aussi. Il faut qu'il en mette un ou deux. Là. Les Chartrains qui ont 2-3. Oh, bien, main gauche. Oh, ça, c'est dur. Ça, c'est très bien fait. Ça, c'est très, très dur. Hein. Allez, ça repart avec Pelin. Fortas qui s'est retrouvé tout seul. Ça rentre, ça sort, dommage. Doumbia. En tout cas là le coach de Chalon-Reims, il veut qu'on mette la balle dans la peinture. Oui, puisque Léopold il a l'avantage. Oh bah tiens, il s'est mélangé là. Elle a vu son pote sur le banc et a cru que c'était lui. Ça arrive, ça, de mettre une balle en touche. Hein. Une minute et 31 secondes encore. Si je dis pas de bêtises, ça fait un petit moment que Reims n'a pas marqué.
Ouais, ils viennent de marquer quand même un bras roulé de parce que là je vois 51. Oui, ouais, c'est ça. Et un peu moins bien dans ce fin de. Depuis que le coach les a sermonnés. Ah oui. Bien joué. Un oubli total en défense. Ça, pour le coach de Chalon Reims, c'est pas possible. Hein. Allez, 51-35 quand même hein, pour Reims. Oui, après il y a. Oh là là, parce que là, ce qu'il vient de faire. Oh, allez ! Voilà, un peu de spectacle pour Chartres avec ce superbe passe de Pelin et surtout la récupération de Kwame sur Pommier. Ouais. Alors, ça, c'est pas tous les jours qu'on va voir ça. Par contre, et voilà. Serrer la raquette, c'est une très bonne idée. Mais derrière, on a Keita qui va faire le travail. Oh, ah. Bien joué au forum. Voilà. Ah, le coach est en train de bouillir là. Je pense que là, le crochet va trembler à la pause. Ah bah, surtout dans le vestiaire de gauche. Allez, Keita. Mais bon, voilà, il y a Keita qui sort des trois points dans tous les sens. Oh, bien joué de la part d'Oforum qui a gêné un peu. Sambé, voilà. Efficacité. Très fort. Deux secondes, une seconde. Court. Ce sera trop court. On reste quand même sur du 57-39 pour Reims. Mais on va dire qu'on est passé à travers du premier quart-temps. Le deuxième a été quand même mieux du côté de Chartres. Moins bien. Ouais, c'est vraiment dommage que les Chartrains n'aient pas réussi à faire deux stops sur les deux paniers à trois points qu'ils viennent de prendre. Parce que 39-51, ça avait un petit peu plus de gueule que 39-57. Mais bon. Ouais, les Chartrains, ils sont remis un petit peu en norme de marche en défense. Ils ont un peu mieux contrôlé le jeu de Chalon-Reims. Mais c'est vraiment une très 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 belle équipe parce que quand vous contrôlez l'intérieur et qu'après vous poussez les extérieurs et mettre dedans, ça devient un casse-tête. Allez, on va se faire une petite pause, mais ne quittez pas du coup Chartres TV puisque vous avez un super reportage sur les avions, l'aérodrome. De Chartres, on se retrouve nous dans une grosse dizaine de minutes. Je suis le président de l'aéroclub Chartres Métropole. J'ai 37 ans et aujourd'hui je suis pilote de ligne. Je travaille chez Air France, je vole pour la compagnie Transavia et puis d'ici quelques mois je rebasculerai chez Air France. Et c'est un métier que j'ai toujours voulu faire. Et quand je vais travailler, je dis pas je vais travailler, je dis je vais voler. Faut s'accrocher parce que c'est très très dur de trouver du travail entre guillemets stable, hein. On peut trouver des petits boulots et tout ça. Il m'a fallu une bonne dizaine d'années avant de travailler chez Air France. Donc c'était 10 années compliquées avec des hauts, des bas, des galères, des petits boulots. Et les pilotes dans les compagnies, ils sont entre guillemets affectés sur un type d'avion. Donc moi, ma première compagnie dans laquelle j'ai travaillé, c'était Aigle Azur. Et je faisais de l'Airbus A320. Donc en fait, on passe la qualification sur l'avion en question. Donc il faut déjà être pilote professionnel, avoir toutes ces licences à jour. Et puis en plus, on va passer une qualification sur,
sur un avion, parce qu'on appelle une qualification de type, une QT, à chaque fois qu'on change d'avion. Des bons souvenirs en tant que pilote de ligne, il y en a tous les jours, parce que notre bureau est assez chouette, parce qu'il y a des paysages et puis des vues incroyables tous les jours, sur chaque vol. C'est assez magique. Voilà, d'une manière globale, ouais, des super souvenirs, j'en ai quotidiennement. Quoi. 100. 50, 40, 30, 20, 10. J'ai toujours aimé les avions et puis tout ce qui vole. C'est notamment en faisant des tours d'avion comme ça avec mon père que le goût pour l'aviation m'est venu. Puis après, j'ai beaucoup traîné et beaucoup passé de temps à l'aéroclub, très petit déjà. J'ai commencé à apprendre à piloter à l'aéroclub, donc à 13 ans. Pour faire son premier vol solo, il faut avoir 15 ans. J'étais prêt à voler en solo avant 15 ans, mais c'est l'âge qui me bloquait. On avait planifié le premier lâcher, le premier vol solo. C'est André Gallet qui est aujourd'hui décédé et c'était mon instructeur. Un instructeur historique de l'aéroclub. C'est lui qui s'est occupé de me lâcher et de me faire mon premier vol solo le jour de mes 15 ans, le jour de mon anniversaire. On entend les quelques gouttes là sur le toit du hangar. Donc je vais me dépêcher, je vais aller faire le plein d'essence. Et puis après, je pense qu'on va attendre que l'orage passe. Parce que, à mon avis, quand il va arriver, le gros paquet rouge là, c'est pas beau. Donc voilà, et ça nous arrive dessus. La voltige, c'est aussi quelque chose qui me tient à cœur depuis très longtemps parce que j'ai fait mes premiers vols dans l'école qu'avait Catherine Monory ici à Chartres et j'ai commencé en 2003. Après, c'était le niveau espoir. Et puis après, j'avais plus trop de sous pour continuer à voler, donc j'ai arrêté. Et en 2015, j'ai voulu reprendre la compétition. Malheureusement, la voltige, ça prend beaucoup, beaucoup, beaucoup de temps. Alors peut-être que j'aurai la dispo pour reprendre un jour. Et ben voilà, allons-y. Je vais aller voler sur un Boeing Stearman, donc qui est un avion d'entraînement qui était utilisé pour former les pilotes, un avion des années 40-50. Là, je vais avoir Fred avec moi. Donc Fred, c'est le propriétaire de l'avion. Et donc, il en profite aussi pour apprendre un petit peu l'avion en main pour le meeting du 24 septembre. C'est assez sommaire comme équipement. Il y a les instruments basiques, donc ici il y a un compas magnétique qui permet de savoir à quel cap on se trouve. Ici un altimètre, ici c'est l'instrument qui sert à avoir l'information de vitesse. Ici c'est un variomètre pour avoir les variations de la vitesse verticale, que ce soit en montée ou en descente. Ici c'est pour la pression d'admission et puis ensuite ça, ce petit instrument là, c'est les instruments moteurs qui sont ici. Et après, en fait, c'est très très basique. Il y a juste un démarreur, une radio, et c'est très très simple. C'est bien plus simple que les avions de maintenant. Quand je suis arrivé en tant que président, là, en juin 2021, il y avait à peu près 2000 heures de vol et 160 membres à peu près. Et là, fin 2022, on était à 2600 heures de vol et 200 membres. Mon ambition, c'est de continuer à développer le club, proposer des nouvelles choses, d'investir sur des nouveaux avions et puis d'attirer de plus en plus de jeunes. Thank you.
poche 53. L'aurore de Vitré reçoit nos voisins de la Déa Blois, 35 à 41 à la mi-temps. Fougère reçoit Nantes parce qu'il termine, 41 à 36 pour Fougère à la mi-temps. Saint-Quentin, nouvelle équipe nouvellement promue en Belgique, Elite reçoit les Lévreux, 44 à 34 à l'avantage de Saint-Quentin à l'exemple. Boulogne reçoit l'équipe de Belgique, Elite reçoit du Portel à la mi-temps, Boulogne 37, le Portel 49. Mulhouse reçoit aussi l'équipe Belgique, Elite le Sluc Nancy. Et c'est le 12 qui mène à la mi-temps 50-47. Antibes reçoit Saint-Vallier à la mi-temps Antibes 40, Saint-Vallier 33. Et enfin, on est dans le deuxième. 57-39 dans un match où on a cru au début quand même que c'était parti pour être vraiment un match cauchemar, puisque après le premier carton seulement il y avait 32-18. Après Chartres s'est un peu rebellé, alors oui, Reims a de nouveau remporté le deuxième carton mais que 25-21. Et on va faire un petit focus sur deux joueurs qui ont forcément marqué ces deux cartons. Il y en a un, bah, on va commencer par Reims. Tiens, on va commencer par Reims avec Monsieur Keita, le numéro 7. On le disait, c'est le papa, c'est la tête pensante de cette équipe. Et on l'a senti quand il y avait le feu. Il était là. Bah oui, bah après, la différence, elle se fait au niveau de l'adresse. Hein. 9 sur 18 à 3 points. Et lui, c'est un 2 sur 3. Et en même temps, il réglait les problèmes avec 5 passes décisives, 4 rebonds. Donc, il a régalé. C'est vraiment quelque chose. Là, on le voit hein, sur les images. Il est au milieu de ses joueurs. C'est lui qui parle. C'est lui qui est en discussion. C'est un moment aussi important parce que même s'ils sont largement menés, leur production, la fin du deuxième quart-temps, était plus compliquée. Et de l'autre côté, du côté de Chartres, et ben c'est à l'inverse, c'est le plus jeune, Takamu, qui nous a fait un match quasi parfait, hein, 100%, 3 sur 3 à 2 points, 2 sur 2 à 3 points, il s'est juste raté sur un lancer franc, 1 sur 2, donc c'est pas beaucoup. C'est là qu'on se rend compte quand même que bah, c'est des matchs qu'ils aiment se révéler, se montrer et bah, ils réfléchissent moins hein, sur ce constat. Oui, bah, de toute façon, c'est ce qu'on lui a demandé. Hein. C'est un garçon qui est plein de vie, donc voilà, il prend sa chance et là, ce soir, ça marche avec un peu de réussite. Donc tant mieux pour lui. Mais alors, en tout cas, l'adresse en face, c'est impressionnant quand même. C'est propre. Hein. Après, là, on peut toujours trouver des stats un peu négatives, mais... Ouais, c'est compliqué quelque part. Hein. On a quand même... Du côté de Chartres, c'est très fort. Là, on voit bah, forcément Moitrena et Guillaume Lepape qui réfléchissent un peu à comment continuer à contrer cette équipe de Reims. Ouais, ça va être très compliqué. En tout cas, les Chartrains ont fait un meilleur deuxième quart-temps. Ils sont mieux retrouvés en défense et ils ont pu courir un petit peu, ce qui a permis à 2-3 joueurs de mettre 2-3 paniers faciles sur la transition. Mais ouais, là, les joueurs de Chalon-Reims vont repartir. Ouais, ils ont besoin de finir le travail limite dès ce troisième quart-temps. C'est là où Chartres veut espérer quelque chose, c'est maintenant. Ça veut dire retourner dans ce troisième quart-temps, être à fond, à bloc. Parce que là, très clairement, hein, si on reprend un éclat de plus de 10 points dans un carton, bah, le match sera plié, entre guillemets. Oui, bah là, de toute façon, soit on arrive à tenir un peu cette équipe et on repasse sous les 10 points. Et après, on ne sait pas. Et à la fin du troisième carton, et oui, comme tu dis, on ne sait pas. Mais je pense que l'équipe de Chalon-Reims a remis les pendules à l'heure dans le vestiaire. Oui, on va voir ça. Là, dans quelques instants, sur le 5, on a remis un peu de tout.
Alors que là, les filles du Séchard Basket féminin sont sûrement en train de regarder sur Chartres TV ce qu'on dit, si on ne dit pas trop de bêtises. Elles, c'est pas sûr. Elles qui joueront ce vendredi face au Pôle France. On va espérer signer le premier succès de la saison. Elles qui ont connu une fin tragique face à Toulouse, alors qu'elles avaient mené de 20 points à la pause. Elles ont perdu lors des trois dernières secondes du match. Et vous avez vécu ça, malheureusement. On aurait préféré être plus dithyrambique, mais en direct sur Char TV. Et là, on est reparti pour le match avec donc Prost, Fortas, Kwame, Ofo, mais Takamu dans le 5. Chartrain contre alors Doumbia, Léopold, Chouafé, Pommier et Jackson avec ce premier panier qui est 3 points. Voilà, c'est ça fait du bien parce que les 3 points, on n'était pas non plus au... Ah bah nous, on était moins bien. On était pas en réussite. On était à 2 sur 5 seulement. Et là, Léopold à 50% avec 3 sur 6. Ah là là là. Ouais. Et je me demandais s'il n'y avait pas peut-être une petite faute sur Léopold aussi. Sur la prise à 2, Chartren. Allez, au forum. Ouh là ! Qui est allé jusqu'au bout. Je peux vous dire que là, au forum, il a le regard noir. Parce que là, eux, dans leur mentalité, il n'y a pas de... Il n'y a pas d'opération, on va jouer plus léger. Là, il sait aussi qu'il, comme vous l'avez dit à un moment donné, il doit se montrer aussi. Ah oui, bah de toute façon, voilà, c'est ce genre de match qui fait. Si vous faites des stats dans ce genre de match, ça veut dire que on va vous repérer. Hein, donc, forcément. Par contre, s'il ne met pas un peu plus de rotation dans son ballon et qu'il ne tire pas. Il lâche pas son poignet là et son bras. Ça fait déjà le troisième qui rate lancé depuis le début de la rencontre, je crois. Un sur quatre. Voilà, les Chartrains qui restent tout terrain et qui volent un ballon. Attention. Allez, ça repart. Allez, bien joué. Parfait, Godoumbia. Ah, ballon perdu par Doumbia. Ah, Doumbia qui fait la faute là. Ouais. Et là, il retombe en fait dans ce petit côté. Hein. On l'avait vu, c'est quand même. Parce qu'il y a quand même des défauts, hein, il est Doumbia. Ouais. Des fois, il part un peu. Ouais, il part un peu à l'abordage. Voilà. Là, il est parti un peu. Il a vu ça s'était ouvert. Et puis. Voilà, il y a 3 ans, il aurait joué tout seul. Hein. Maintenant, on lui demande beaucoup plus de gérer le jeu, le tempo de son équipe. Alors, on lui demande de jouer vite aussi. Donc, quand vous jouez vite, vous perdez des ballons. Alors, ça, c'est forcé. Ouais, ça, c'est forcé. Allez, le coach. Le coach de Reims qui demande à ses joueurs de mettre plus de rythme aussi. Hein. Voilà, mismatch avec Scara. Ouais. Et tu as fait. Et ouais. Ouais. Alors, comme tu as dit tout à l'heure, vous les laissez libres, vous êtes sanctionnés. Ah, c'est un peu la différence, hein, vraiment, en termes de niveau. Hein. Chaque tir libre, ça rentre. Ah, ça fait mouche, ouais. Allez, ça repart avec Doumbia. Et oui. Et oui. Oh, c'est sévère parce que là il y a vraiment la volonté de défendre. Après il va mettre l'épaule. Hein. Assez dur de toute façon de contrôler Doumbia lancé comme ça. C'est pratiquement. C'est soit il faut se mettre en face et donner son corps. Soit vous le laissez aller au bout. Mais là la faute anti-sportive. Assez dommage parce que les Chartrains avaient fait une bonne entame dans ce début de troisième. Ouais, ils étaient en tête. Allez, pour l'instant, ils sont toujours en tête, puisqu'il y a 6-5.
Ah, ça doit faire bizarre quand même pour Hugo Dumbia. Allez, ballon pour Chouafé sur le côté. Allez, ça part avec Dumbia. Ok, c'est de se venger seul, on est moins présent, on rebond, on ressort. Et Chouafé. Voilà, Chouafé, il fait du Chouafé. Hein. Ouais, c'est beau. Alors, quand vous avez Jackson, Chouafé et Keita derrière, vous êtes tranquille. Hein. Voilà, oula, là, c'est sorti premier, pas avant, sorti là. Très très fort. Bien joué. Oh bien joué, oh bien joué Jackson, l'intelligence parce que là. Ouais, premier qui demande à ce qu'on essuie le terrain. Ouais. Et l'action elle est d'une intelligence totale de la part de Jackson parce que là. Ouais, c'est ça, hein, c'est vraiment. Je pense qu'il a. Je me demande si Dumbia l'appelle, je suis pas sûr, mais il a les yeux derrière la tête parce qu'il sent qu'il y a. Ah, il sent que ça rentre fort quoi. Parce que Takamu là il attendait que ça. Mais c'est bien joué. Ça, c'est la lucidité de et là, Jackson. Et là, du coup, on reprend un petit écart. Kouame. Alors, voyons voir comment il arrive à le bouger. Ah, il a essayé de lui faire la même chose. Ouais, c'est pas la même réussite. Là, c'est compliqué. Grosse défense. Dumbia. Ah, ouais. Oh, qui allait bouger Pelin. Ah, il a bougé tout le monde. Fortas qui est venu, Pelin qui est venu, tout le monde a dégagé. Et Kouame qui se fait siffler. Allez, ça y est, on retombe un peu dans les travers là. 70-45. Et Kouame qui pense à troisième faute. Allez, écran mobile. Allez, on a mis un coup d'accélérateur. Du coup, on fait reposer Pommier. Et Chouafé. Ouais, Chouafé, il a fait son taf. Mais on a fait rentrer Sambé et Jack. Jack qui est peut-être le joueur de Reims un peu en dessous hein, ce soir. Ouais, encore. Hein, ouais, non. Voilà, après, on cherche des motifs d'espoir. Ouais, comme vrai. Ouais. Bien joué. Allez. Il est parti de trop loin. Au forum. Ah, il y a 15 jours, il l'aurait mis. Doute un peu au forum là. Dumbia. Ah, Dumbia qui. Voilà, mismatch là. Voilà. Il aurait pu tirer. Allez, voilà. Alors, heurtement. Allez, Jack, bien il senti est pas. Par Fortas. C'est pas. Oh là 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 là. Jackson, il est malin ce Jackson. Là, au forum à 3 points. Et là, Dumbia, Mukuna, pardon, qui s'est fait chipper le ballon. Ouais, Dumbia, voilà. Ah, on avait l'habitude hein, d'avoir Hugo Dumbia monter sur des ressorts. Il se bat bien. Il se bat bien au forum. Alors j'espère juste qu'il ne s'est pas blessé parce que c'était un peu bizarre. Oui, la façon dont il est tombé. Et il y aura un temps mort forcément parce que là, Chartres a pris un énorme éclat alors qu'ils avaient qu'ils étaient bien rentrés. Ils menaient 6-5 et là en quelques minutes on se retrouve avec un 15-6. Ah ouais, 10-0. Il y a des discussions à avoir et c'est compliqué parce que, encore une fois, on le répète pour les deux équipes. Alors pour Reims, forcément, ça se déroule bien. Ça se déroule très très bien. Du côté de Chartres, c'est ne pas prendre plus cher entre guillemets en termes d'écart et en même temps ne pas fatiguer plus que ça parce qu'il y a un match face à Lorient qui est
d'une importance totale dans un championnat de National 1 qui est assez compliqué. Allez, on regarde un petit coup d'œil sur les fautes. On voit qu'au final, on a un joueur de chaque côté avec trois fautes. Léopold du côté de Chalon-Reims et de l'autre côté, c'est Kwabe qui a trois fautes. Voilà, sinon tous les joueurs de Chalon quasiment ont une faute, si je dis pas de bêtises, à part le seul qui n'est pas rentré sur le terrain, c'est Dali. Ah, mais il doit y avoir un petit pépin parce que Philippe Dali, c'est tout. Bah, voilà. Vous ne pouvez pas le laisser sur le banc. Pas possible. On ressort sur le côté. Ça rentre, ça sort. Et bien de la part de Mukuna qui s'est battu et faute. Ah ouais. Allez, Léopold qui a pris un petit coup dans l'oreille là, dans la mâchoire. Allez, faut. Il paraît tout petit Mukuna à cause de à côté de le Jack. De Léopold. Là. Voilà. Attention parce que là, gros stress. Chouafé qui va rentrer à la place de Doumbia. Ah, c'est quand même compliqué pour Pelin, c'est que vous avez un Keita en meneur qui est capable de défendre sur lui, qui est très grand. Ah ouais, bah puis après. Ah dommage, c'était bien fait avec Thévenard. Ça repart. Attention, mismatch avec Léopold et Ateba là. Scara. Ouais, bien joué. Elle était un peu longue à arriver. C'est ça que j'allais dire, c'est que peut-être jouer plus rapidement. En tout cas, on analyse tout de suite ça. Voilà, l'avantage physique et on donne la balle au joueur qui a l'avantage. C'est très bien fait de la part de Chalon-Reims. Kita avec Fortas qui défend sur lui. Ah, ouais. Dommage, la passe avec là. Hop, attention, Pelin. Pour Ateba à 3 points. Voilà. Voilà, Ateba. Ça fait du bien celui-là. Ouais. Parce que Chartres n'avait. Ça faisait un petit moment qu'on n'avait pas marqué. Ah bah on n'avait plus marqué depuis 2-3 minutes, si je ne dis pas de bêtises. Kita. Chopé, Kita. De l'autre côté. Oula, la passe. Ils sont sympas, ils se font des passes en plus. Ouais. Sambé, il était côté gauche. Il aurait pu mettre un lay-up. Et il a fait une passe. Il s'est remis dans l'aile. Et bah du coup. Attention Thévenard, prise à deux. Ateba. Voilà. Il y a peut-être Fortas disponible. Ateba qui aurait peut-être pu prendre le tir plutôt que le drive là. Vous venez d'en mettre un. Kita. Allez, Prost qui va rentrer. Scara, Thévenard, duel de poste 4. Sambé, Chouafé tout seul. Eh ouais. Troisième de ce carton pour Chouafé. Tranquille. Ah là, le problème, c'est qu'on est défensivement, on commence à être totalement perdu là du côté de Chartres. Ah, ça va vite, hein. Ça tourne, ça fixe, ça donne. Ça cherche le joueur libre. Ça trouve. Et surtout, toujours. Ça a très peu de. Ça gâche très peu. Ouais. Marco Pelin qui roule bien là, qui trouve bien le tir après l'écran. Il n'est pas sorti sur lui et il sanctionne de suite, pareil. Allez, quand même sur du 60% à 2 points, 57% à 3 points du côté de Chalon-Reims. Allez, Fortas, pour le plaisir. Voilà, le petit dunk. Et on perd pas forcément plus de ballons hein. 14-9, comment les joueurs de Chalon-Reims eux exploitent leur ballon sur leur système. Voilà, bonne passe.
faute provoquée. Voilà, à chaque fois, ça attire la défense, ça donne, ça ouvre très très bien par la part de Léopold là, qui provoque la faute. Tu aurais peut-être même pu, Jacques, pardon, pas Léopold, tu aurais pu mettre le panier. Ouais, Keita qui n'est pas non plus satisfait de ce qu'on leur a proposé, ouais, de la part de Jacques. Hippolyte et Prost qui reviennent. Alors, en termes de répartition de temps, on en est où? On est tous plus ou moins à plus de 10 minutes. Pelin est à 17 minutes comme Fortas. Kouamé 18 minutes. Et sinon, derrière, il y avait que Hippolyte et Mukuna qui sont en dessous des 10 minutes de jeu. Et pareil pour Reims, c'est bien distribué. Léopold et Jacques sont à 12-40. Et ceux qui sont plus souvent sur le parquet actuellement, c'est Skara et Keita avec 17 minutes à peu près. Allez, du coup, on fait sortir Skara, on fait rentrer Léopold. On joue qu'avec des Français. C'est côté minutieux. Voilà. Aucun étranger sur le terrain, que des Frenchies. Les deux côtés. Et Jacques, je pense qu'il va avoir un petit traitement de faveur pour son coach. Ah, il est. Parce qu'il est encore un peu tendre. Ouais, il apprend, hein, mais en tout cas, 2m13. Keita qui a poussé une vraie gueulante. Ah, t'es bas et en plus c'était un 2 points. Allez, ça repart. Allez, Léopold qui va aller face à Mukuna. Oula. Il l'a quand même bien bougé. Ouais, Valentin Mukuna. C'est bien fait parce que quand on lui a donné la balle, il n'était pas très bien situé. Il s'est resitué, il a été au contact, il a fait son petit move. Et il a provoqué la faute de Mukuna. Alors, ce qui va être très compliqué maintenant pour Chartres, parce que là on est on va peut-être à 30 points d'écart, c'est que ça ne touche pas le mental. Parce que là, quoi qu'il arrive, même si on vous dit bah c'est une Pro B, vous êtes une National 1, voire une Pro A comme vous l'avez dit mon cher Nicolas, ouais, vu l'effectif. Ouais, mais c'est quand même 30 points. Ah oui, bah ça va quand même impacter l'équipe par rapport à ce qu'on aurait pu produire. Après, on a vu des belles choses. On voit des choses intéressantes, mais il y a beaucoup de rotations. C'est pas facile de se mettre en place. Voilà. Ateba. Ateba, il a un shoot. On va dire nonchalant. Ouais, ouais, mais ça sort très très vite par contre. Ouais. Ça dégaine vraiment vite. Allez, ça repart avec Sambé, personne n'est sur lui. Voilà. Ouais, Léopold. Ouais, bien joué de la part de Prost. Oula. Oui, bien fait. Alors Andrieux, il va mettre une soufflante à Léopold tout à l'heure parce qu'il demande une seule chose, jouer à l'intérieur. Pour l'instant on n'y arrive pas. Keita. Bien fait. Je crois que Keita c'est pareil. Hein. Ouais, Keita il est d'accord avec son coach. Il y a un problème. S'il y a un panier là, ça ne m'étonnerait pas qu'il y ait un petit temps mort. Guévenard à 3 points. Eh non. Et ça repart. Avec Sambé, 18 secondes. Keita qui va prendre le shoot. Il a appelé Jacques. Non, ça va être Choffé qui va prendre le tir ou Sambé. Il va créer une brèche. Et voilà. Ouais, Choffé. Comme prévu. Ah, ah là là, dommage. Ouais, mais il a réussi à sortir des limites du terrain, il revient. Ouais, oh là 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 là, c'est très très fort ce qu'a fait Choffé parce que là, il avait la main de Mukuna. Et ouais, mais Choffé. Regardez ça, il est là. Alors dommage pour Valentin parce qu'il était dessus et là derrière. Ah ouais. Et les abdos pour avoir ça. Ah oui, bah là.
C'est, c'est un athlète, hein, Tchoiffé. Hein. C'est un vrai, très fort. Très, très fort. Très, très bon. 25-19. Richard qui est pas... 27-19, pardon, dans ce troisième quart-temps. Richard qui n'est pas non plus très loin que 6 points d'écart dans ce troisième quart-temps, mais on sent une telle facilité du côté de Reims. Ouais, voilà, que c'est compliqué de s'enflammer, on va être très clair. Bah heureusement, ça reste des êtres humains, alors ils font des bêtises. Hein. Ils ratent des ballons, ils font 2-3 mauvaises passes. Mais voilà, ça déroule hein, quand même, Tchoiffé. Dans ce carton, c'est 10 points, 3 paniers à 3 points, un panier encore à la fin là. Donc c'est vraiment impressionnant quand même. Bah, de toute façon, c'est ce qu'on dit hein, depuis le début du match, vous laissez ces joueurs-là seuls. Quand vous avez Tchoiffé, Keita, Sambe, Jackson. Bon, voilà. Et encore, Scara est un petit peu en dedans. Bon, Pommier a fait du pommier, normal. Mais c'est plutôt bien réparti comme marque. Hein. C'est pas. Non, il n'y a personne. Il n'y en a pas un qui en met 30. Ils sont tous à 2. Il y en a 1, 2, 3, 4 à 12 points et plus. Et il y en a 3 qui sont pas loin des 10 points, avec 8, 8 et 9. Donc, ouais, c'est. Ça tourne. Hein. Ça tourne. Et nos Chartrains, eux, qui alternent le bon et un peu le moins bon. Donc, sont capables de faire 2-3 séries et puis après de perdre des ballons bêtement. Qui, malheureusement, à ce niveau-là, sont sanctionnés direct. Bah, c'est. On va dire que c'est un peu la. On parle souvent que le basket est un sport d'abord mental. On a rencontré des équipes qu'on a battues qui étaient de niveau supérieur en termes de division, ici même, mais qui étaient dans une spirale négative. Ouais, voilà, après. Là, vous avez une équipe de Reims qui sort d'une saison 3ème. Alors, oui, il y a eu la finale perdue en play-off. Mais c'est du solide, c'est costaud, ça se connaît. Ah oui, oui, ça. Non, puis voilà, ils ont des objectifs communs, ils ont envie d'aller le plus loin possible dans cette compétition. Donc forcément, bah, ça veut avancer. Hein. Donc ce match est plus un match d'entraînement pour eux, pour se préparer, remettre tout le monde dans le moule. Ouais, parce que là, on voit. Keita, je pense qu'il va pas rentrer. Si, moi aussi, il va encore jouer une ou deux minutes peut-être. Mais ouais, là, il a quand même remis son. Oui. C'est l'échauffement. C'est vraiment un très très bel effectif avec des jeunes, des anciens. La taille. Ah, bien joué. Ouais, derrière, Sambé. Bon, comme quoi. Il a raté. Effectivement, ça reste des êtres humains. Allez, Prost. Okuna. Ouais, ça manque encore de fluidité du côté Chartrain. Oh, la belle passe. Oh, superbe passe là de Prost pour Thévenard sans regarder. Allez, ça, hop. Bien joué, Bukuna sur Doumbia, Sambé, on va rechercher à l'intérieur. Allez, Pommier. Ouais. Allez hop, 2-3 petits tours. Oh, Bukuna qui est allé au contact. Allez, le coach Andrieux qui explique qu'il faut qu'il lâche quand même beaucoup plus le ballon. Il est un peu trop tardé. Premier, Doumbia. Doumbia. Attention Doumbia qui va reprendre de l'aide. Ouais. Voilà. Ah. Athé va peut-être en contre. Voilà, attention parce qu'il y en a un qui l'attendait, voilà. Allez,
Pommier, il la suit comme son ombre. Et bien joué. Et Takamu, en tout cas, il aura réussi à bien se montrer sur cette rencontre. Lui qui, en termes d'éval, est tout simplement le meilleur. Alors, malheureusement, si on parle d'éval, du côté de Reims, on est à 105. Du côté de Chartres, on est à 61. Ouais, ouais. Bah voilà, de toute façon... Chouafé qui sort, Jackson qui rentre. Il y a 10 tirs de convertis en plus côté Chalon-Reims. Pourcentage Chartrain n'est pas mauvais, hein, 51%. Non, ils sont pas mauvais, ils sont pas dans. Mais bon. 14 ballons perdus, oh là là, 21 points d'encaissés sur les ballons perdus. Oh oui, non, mais après c'est juste la différence effectivement de. Bah, de niveau, elle est là. Hein. Ouais, ouais, c'est Chartres, comment... Chartres n'a pas à rougir entre guillemets de sa prestation parce qu'ils ont essayé de provoquer des choses, malheureusement. Bah, en face, la moindre petite faille dans la défense chartraine, c'est puni. C'est sûr. Et encore, hein, voilà, il joue vraiment un secteur. Enfin, c'est raté. Voilà, c'est complètement raté. Il joue un secteur intérieur où ils mettent beaucoup de ballons intérieurs. Et là, Hugo, il va prendre une petite réflexion parce que là, il demande de jouer intérieur vraiment. Ouais, et je suis en train de me dire qu'il y a aussi peut-être la différence physique, l'intensité, puisque bah. Ce qui est logique, hein. À N1, c'est peut-être un peu moins intense qu'en Pro B. Atéba, c'est du Atéba. Ouais, Jackson, qui va servir Sambé. Ouais, Sambé. J'allais dire c'est dedans, mais non, on repart avec. Heureusement qu'il rate un peu parce que sinon ça gonflerait. Hein, parce que là, Sambé, il a fait deux tiers ouverts, vraiment très très ouverts. Ouais, Frost. Et là, on est un peu en délicatesse du côté de Chartres, on ne trouve pas forcément de shoot ouvert. Alors on force un peu et Atéba, ficelle. Ah, ça va lui faire du bien quand même, il a converti quelques tirs ce soir. Et... Bah, il enchaîne, hein. Il enchaîne bien, il a une vraie série, hein, dans son tir à 3 points. 11 points pour lui ce soir. Ah, on reste... à 23 points quand même. Chartres qui a le mérite de ne pas lâcher non plus. Hein. Ils essayent. Ouais, voilà, il faudrait qu'ils arrivent à finir à moins de. À moins de 20. À moins de 20, ce serait bien. Mais il reste énormément de temps. Oula, ouais. Léopold. Oula, Léopold, il fait du Oura basket. Pas sûr. Allez, franchement. Ça va être vite réglé. Keita va rentrer. Ouais, compliqué. Aïe, 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 pas loin. Pas loin de marcher sur la ligne aussi. Léopold. Là, attention. Ah ouais, voilà. Qu'est-ce que vous voulez que Prost puisse faire face à Pommier? Keita qui va remplacer Léopold. Ouais, alors, Doumbia. Et Chouafé, ah bah non. Ah non, Léopold il va rester. Alors là c'est quand même dingue là. Voilà, exactement. Merci beaucoup à notre cadreuse. Parce que là c'est en triangle. Il a le droit à et son coach et Sambé en explication avec Doumbia. C'est les petits détails hein, qui font que cette équipe elle va rouler toute l'année. Il faut mieux gommer maintenant et avoir des certitudes. Allez, Kwame. Un Pommier qui a laissé un lancer en chemin. Le système qui est déjà un peu mis en difficulté côté Chartrain. Fantasse, 6 secondes à jouer. Beaucoup de dribbles, c'est obligé de shooter. Ouais, compliqué. Et Léopold. Léopold, il fait une petite moisson tranquille. Ouais. Oh là là, là. Hop, marché. Oh, le bon contre là. Mais bon. Bah ouais, derrière, voilà. Voilà.
Il se fait contrer, mais il continue de jouer. Ah, regardez et... ça, parce que là, regardez Fortas qui donne son corps à la science. Kwame derrière qui arrive à le contrer. Et derrière, regardez, hop. Il panique pas. Il trouve. Et c'est même, pas, il, même pas, il regarde, hein. Il sait qu'il a un collègue dans le corner. Hein. Il le sait. Hein. Ça, c'est très très fort en tout cas. Chouamé qui nous a mis. Chouamé, pardon, qui nous a fait un petit 4 paniers à 3 points depuis. Ouais, peut-être Chouamé qui est le joueur qui sort le plus sur cette rencontre. Bah, c'est. Ouais, c'est un. Bah, c'est. Parce qu'après, il y a Keita en régulateur qui est en train de régaler. Hein. Il a cette passe décisive. Mais, ouais, il est vraiment chauffé, vraiment très, très intéressant avec ce qu'il propose. Bah, il y a aussi Léopold hein, qui est pas mal, même si on le voit parfois faire des petites erreurs. Ouais, bah. Mais bon, Léopold, c'est. C'est 13 points, même plus que ça peut-être. Allez, au Léopold, c'est 15 points. Ouais, 15 points. Ouais. 15 points. C'est propre. C'est très très propre hein, cette équipe. On voit quand même que la connexion elle est plutôt bien faite. Hein. Encore une fois, hein. C'est peut-être sur le rebond. Chart est vraiment. C'est vraiment compliqué pour eux, hein, puisque Reims est à 32 rebonds. Ouais, Chartres à 20, non ? Contre 26. Ouais, ça va. 25 passes D pour Reims contre 12. Ouais, même au niveau des ballons perdus, hein, que 15 ballons perdus pour Chartres, c'est pas énorme. Hein. C'est pas énorme. Contre 11 pour Reims, il n'y a pas une ouais, énorme mais différence. Pour regarder, c'est les ballons convertis après ballons perdus pour bah, Reims. Là, au départ, ça a vraiment fait. Là, c'est 21-14. Hein. Ouais, mais ça, c'était à la fin du. Non, là, c'est là maintenant, c'est 21-14. Point après balle perdue. Mais c'était déjà ça à la mi-temps, 21-14. Ah, bah, il y en a un problème sur les stats. Et c'était surtout le 0-14 du départ qui a fait vraiment très, très mal au Chartrain. Ouais. Parce que bah, c'est ce premier carton où on prend plus de 30 points et on en met 18. Là où ça fait très, très mal. Hein. Bah oui, écoute. Hein. On voit le travail qui reste à faire à cette équipe Chartraine pour aller jouer dans la division supérieure. Voilà. C'est un bon enseignement. Alors évidemment, c'est une équipe haut de tableau probée, mais quand même. Hein. Ouais, et puis il faut aussi noter, alors on va pas se cacher derrière ça, mais on est quand même dans une équipe de reconstruction du côté Chartraine où il y a que 30% hein, par rapport à l'année dernière en termes d'effectifs, même moins puisque avec la tour de Jérémy Ricardo Rigo et on a reçu Kwame il y a moins de 5 jours ouais, non, qui est déjà à son deuxième match hein. Donc c'est vrai qu'on est un peu en oui après l'équipe elle doit se construire on doit être en rodage hein. Aussi collectivement mais après bon. Non, il n'y a pas photo non plus sur ce que propose les équipes oui, de Reims. C'est en place côté Chalon-Reims. Ah, oh, oh, oh Kwame. On sent quand même, hein, ils veulent essayer de revenir. Bah, ils vont se battre, de toute façon, c'est dans leur intérêt. Hein. C'est, même si c'est très très dur de jouer contre Chalon, c'est bien, ça te permet d'avancer aussi, hein, de jauger, si tu galvaudes le match, ça sera pas bon parce que tu vas commencer à trouver des excuses alors qu'il n'y en a pas. Hein. Il n'y a pas d'excuses. Hein. Quatrième faute d'équipe, deuxième pour Takamu, ouais. Keita. Avec Scara qui sert Chouafé au fond qui essaie de remonter le ballon. Frost. Allez, Kwame qui propose peut-être en Frost qui va y aller seul. Ouais, c'est compliqué et il va obtenir ce qu'il pouvait obtenir, une faute. Mon cher Nicolas, je vais parler au coach que vous êtes.
Dans ce genre de match, qu'est-ce que vous en retirez pour le match de Lorient? Bah, on fera les comptes à la fin, mais déjà pas de blessés. Ça, c'est positif. Après, tout le monde a trouvé, essayé de retrouver les automatismes entre la paire d'intérieur qui sont arrivés vraiment très en retard par rapport à la préparation. Donner un petit peu de temps de jeu à tout le monde pour que effectivement tout le monde saisisse sa chance et qu'on reprenne un peu de confiance. Je pense surtout à Fabien Atéba ce soir qui a remis des paniers et qui ça lui a vraiment lui faire du bien. Mais c'est un match. Il faut jouer parce que c'est un vrai match, mais il n'y aura pas forcément grand chose à en retenir, si ce n'est que l'impact de Chalon-Reims et puis comment il joue au basket, la lecture dans ce qu'il propose. Bon, ça c'est. Je joue tout seul. Donc, voilà. Mais ça c'est ce qu'on peut aussi demander à Jackson dans des matchs où il faudra gagner la patate. Voilà, là, ouais. Jackson quand même. Hein. C'est très fort défensivement parce que oula, ça rentre, ça sort, parce qu'il a quand même réussi à défendre sur Kwame. Ouais non mais c'est pour ça, c'est un joueur, c'est un filou. Kwame s'il met la balle au niveau de son ventre, c'est ce qu'on dit à tous les grands, hein. Ne baissez pas la balle, laissez la balle en l'air. Wow, bien joué au forum. Aussi au forum, hein. Offensivement, ça doit lui. Ouais, ça va lui faire ça du bien. Ça va lui faire du bien aussi. Ça hein. Va lui faire du bien, mais là, on a bien vu que Scara avait arrêté de défendre. Attention, Jackson, pardon. Oula. Ouais. Et par contre, Jackson, c'est. Ouais, il vient de rater deux tirs et il va se rassurer en allant provoquer la faute. Il va mettre deux lancers. Ouais, discussion entre Prost et au forum, puisqu'ils ne sont pas compris sur la défense. Ça, c'est vraiment l'intelligence de Jackson. Marquis Jackson, très malin. Monsieur Keita, qui n'a pas forcément son talent ce soir, faire jouer ses coéquipiers. Ouais, c'est vraiment un vrai grand joueur, ce Matisse Keita. Alors, on se régale. Alors, même si l'image de Coupe de France alourdit forcément le calendrier. De Chartres, nous, observateurs, on se régale quand même de pouvoir voir des grands joueurs qui viennent ici. Hein. Franchement, pour nous, c'est top. Hein. C'est top niveau probé là. Ouais, la passe est bien faite. Oh, c'est compliqué. Ouais. Attention. On arrive. 2 minutes de jeu encore. Jackson. De l'autre côté, ouais, c'est bien fait, c'est bien ressorti et c'est bien puni. Ah ouais, voilà. Il arrive à 20 points. Hein. On en était à combien à la mi-temps? Alors, voyons voir. Là, il était à 3 points à la mi-temps. Voilà. On est à 20. Il a mis 5 paniers à 3 points. Voilà. Attention au forum qui a essayé. Et il y aura un remplacement. On va faire croquer quelques minutes aussi au jeune Sankaré. Et au forum, il lâche rien. Il va aller jusqu'au bout peut-être. Non. Prost. Qui est en train de dire le ballon il glisse tout seul. Eh bien joué de la part d'Hippolyte. Et je pense que le ballon il glisse beaucoup. Allez, Takamu à 3 points. Allez, dommage. Kwame, allez, on n'y arrive pas, Doumbia qui remonte, il y a Jackson de l'autre côté tout seul, Jackson, manque de connexion avec Doumbia. Allez, ça repart avec Prost pour les 40 dernières secondes. Et
Takamo. Ouais, attention, Prost, Takamo. C'est carré au forum. 5 secondes. Ouais, c'est compliqué, c'est trop compliqué. Ah, c'est perso, c'est forcé. Allez, Jackson, est-ce qu'ils vont la jouer ou continuer à aller jusqu'au bout? Ah, si Takamo il joue, Jackson il va jouer. Ouais. Oh, y a le ballon. Il glisse des mains. En tout cas, ça aura été un énorme plaisir de recevoir cette équipe. Ouais. Du CCR. On va suivre leur performance en Pro B cette année. Et on va voir si... On va suivre aussi pour ce petit Hugo Doumbia qu'on a vu grandir ici même. Et bien fait, Scara. Et seconde et trois, c'est fini. Très très belle victoire du CCRB 97-71. Voilà, c'est l'écart actuellement entre ces deux équipes. Chartres qui a essayé, qui a tenté, qui a montré de très belles choses par intermittence. Malheureusement, en face, c'est régulier. En face, c'est chirurgical. Ouais, c'est libre, ça rentre. C'est exactement ça. Hein. Vous perdez un ballon, vous êtes sanctionné. Dès le début du match, ils ont mis une pression défensive où ils ont fait perdre beaucoup de ballons à Chartres. Et ils ont converti tous les ballons volés et par 14 points d'écart. Et puis après, ça a été un petit peu moins bien. Fin de deuxième quart-temps côté Chalon-Reims, les Chartrains ont mis un peu la tête hors de l'eau, mais vraiment, il y a vraiment une très, très, très belle équipe de Chalon-Reims. Énorme cette équipe, on leur souhaite le meilleur pour cette saison, mais effectivement, il y a vraiment du matos sur le papier. Ouais, et pour rappel, dans leur tête, forcément, du côté de Reims, le match contre Denain ce vendredi est très important pour se relancer après une défaite à domicile face à La Rochelle, et on dit aux supporters de Reims quelque part, alors ce qu'on a vu nous c'est magnifique, et ils vont vivre une saison peut-être historique avec la montée. Du côté de Chartres, on a appris, on a vu, maintenant place aussi au match le plus important de la semaine, ce sera ici même face à Lorient direct sur Chartres TV de nouveau, où là on va essayer de s'enflammer un peu plus. Bah écoute, on verra, hein, mais il faudra vraiment prendre ce match dans le bon sens, parce que ça sera très très compliqué contre cette équipe de Lorient. Donc faudra être prêt, bien se reposer ce soir et demain repartir au boulot, parce que ça sera une autre paire de manches le vendredi soir. Je peux vous dire que Lorient, ils vont pas se déplacer pour rien. Allez, merci beaucoup de nous avoir suivis en direct sur Chartres TV. On se retrouve très bientôt, je vous l'ai dit, on se retrouve même dès vendredi soir avec ce match face à Lorient. Le week-end, vous savez, très sport du côté de Chartres TV avec du volley également. Merci aux cadreurs, merci aux équipes techniques, merci à la réalisation. Très très bonne soirée à tous. Ciao ciao. Bye bye.